Bon bah appelez-moi Alissa Always Late parce que je crois que ça va être mon blaze. Je suis tout le temps late. Ah ouais, vous voyez là, oui. Ok. Nicki Minaj wannabe. Non, je rigole. Franchement, elle a fait du taf de ouf. Je kiffe de malade. Donc voilà. Après bon, franchement, ça se voit que les gens ils sont pas trop ouverts ici. Au wig coloré, parce que tu marches dans la rue avec les cheveux bleus, tout le monde te regarde quoi. Enfin, faut que c'est quoi ce délire? Ils sont pas abonnés à. Enfin, ils ont pas Instagram! Non, vraiment. Bon, là je suis en retard, mais j'ai prévenu que j'arriverai en retard. Et bah, direction le show. Je vous fais un topo sur la wig et tout à l'heure. En plus, je l'ai installée toute seule et je pue la merde à l'installation de wig. Et je trouve que j'ai pas fait ça trop mal. Je trouve. Après, je trouve qu'on voit encore un peu trop la démarcation. Mais au pire, je la ferai installer par quelqu'un de carré, t'as capté. Mais là, je devais le faire. Parce que j'ai la promotion. J'ai une promotion à faire. Pas par rapport à la wig. La wig, ouais, je donnerai la Sephora tout le temps, tu vois. Mais j'ai un truc par rapport au festival. Comme je vous ai expliqué ce matin, donc voilà. Bon, je vous laisse, c'est pas bien de s'élever en conduisant et je vous reprends tout de suite quand j'arrive à Noisy-le-Grand. Tu vois, dans le live. Regarde, regarde. Dans le live, il y a un mec. Alors, moi, je ne sais plus rien. Parce que tu ne peux jamais les vlogs que je filme, donc c'est soit je suis nul à chier, soit je suis nul à chier. Voilà, les deux cas, c'est je suis nul à chier. Elle est en train de me faire la morale parce que à chaque fois, je lui dis que je vais faire des vlogs. Mon téléphone, il est plein de vlogs, mais je ne lance pas jamais de vlogs. Donc là, elle est énervée à propos de ça. Énervée, voilà. Là, on va manger. On vient de finir le meeting. Enfin, on n'a pas fini, on a pris une pause parce que j'ai rien mangé depuis hier soir. Il est 17h. La dernière fois, la vidéo de juste avant, quand j'étais dans ma voiture, il était midi, j'ai toujours pas mangé. On a fait le show, on a fait une. On fait quoi déjà? On a fait un meeting qu'on n'a pas fini par rapport au festival. Et là, bah. On va manger. Il y a Yoshi qui nous accompagne pour le plus grand de ses plaisirs. Il écoute que des problèmes de meufs. Je regarde, c'est vrai. Bon, journée, en fait, je sais pas comment vous expliquer, j'ai un truc, attendez, je baisse la radio. Je sais pas comment vous expliquer, c'est que là, j'ai passé la journée au bureau, en fait, dans la même pièce, et c'était des meetings assez importants et des meetings privés, donc je pouvais pas forcément vous montrer ce qu'on faisait, etc., et ce dont on parlait. Et, bah, sans mytho, genre, je suis arrivée, tout à l'heure, il était midi, là, il est 19h, et genre, je me barre, là, tout de suite, je vais à la radio, parce que je bosse à Génération, je suis animatrice radio, j'ai mon émission tous les soirs de 20h à 23h avec Faudier. Et en gros, bah voilà quoi. Donc je me sens un peu mal pour mon premier vlogmas parce que je peux rien vous montrer d'exceptionnel. Parce que, comment vous dire là, à part des facecam en vrai, mais autant être toujours avec vous, mais à part des facecam là en vrai, je peux pas vous offrir grand chose. Bon, si là on va voir à la radio s'il y a peut-être quelque chose qui se profile, mais voilà. Là, justement, on nous a proposé demain 15h d'interviewer Gradure. Donc on espère que ça va se faire parce que souvent quand c'est un peu des grosses têtes comme ça au dernier moment, comme ils ont un emploi du temps assez chez Char et tout, bah il y a toujours des changements ou des annulations, tout ça. Donc on espère que ça va se faire. Juste bah faut que je prépare l'interview. Ce qui demande un petit peu de taf. Parce que voilà, bon, faut écouter le projet. Bon, j'ai déjà écouté, mais bon, c'est mieux de. Faut le réécouter, faut un peu scruter leurs réseaux sociaux, faut un peu élaborer les questions et tout. Donc voilà. Ensuite, bah là-bas, aujourd'hui je prévoyais d'aller à la salle, j'ai pas pu parce que le temps est tellement passé trop vite et le taf était tellement présent que voilà. Je devais bosser, enfin, comme je vous ai dit, on a un festival le 13 décembre et donc on bossait un peu sur la promo et tout, savoir ce qu'on peut apporter et ça. D'ailleurs, j'espère que vous allez venir, mes meufs là, me soutenir. La place est que 10 euros là, s'il vous plaît. Déjà, je suis la seule meuf dans le plug show, je suis là, je me bagarre tous les jours et si vous savez. À chaque fois qu'on a des débats et tout, c'est compliqué. Waouh, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, donc j'espère qu'il y a des gens qui vont venir nous donner déjà la force, mais aussi me donner la force. Ça me ferait plaisir déjà pour les gens qui peut-être qui veulent me voir ou je sais pas. Déjà, j'ai un peu de mal à me dire qu'il y a peut-être des gens qui veulent me voir. Déjà, c'est bizarre parce que je me considère pas comme je sais pas quoi. Donc, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et je conduis en filmant, c'est génial. Et j'ai raté le feu, mais c'est pas grave, je vais griller ça. Et puis si il y a la police, je me fais niquer. Parce que je suis Arthur Tard. Voilà. Bon,
Attendez, parce que j'ai failli mourir à l'instant T. Ouais, donc je vous reprends. Et résultat, je sais plus ce que je disais. J'ai même pas ouvert mon calendrier de l'avant là. C'est quoi ça? Non mais voilà, donc je suis désolée pour ce premier vlogmas, mais je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon là. Ça fait tellement longtemps. Eh, si vous saviez tous les vlogs que j'ai vlogués qui sont pas sortis. Genre, j'étais à un festival cet été, l'Afro Nation, j'ai fait un vlog, il est pas sorti. Quand j'étais aux Antilles, pareil, j'ai fait un vlog, il est pas sorti. Il y a des vlogs de vie que j'ai fait, des vlogs de la vie de tous les jours, genre en mode que je voulais sortir une fois par semaine, qui sont pas sortis. Et je me suis dit, ah, tu sais quoi, vas-y, nique sa maman. Je m'en fous, je balance. Ceux qui ont envie de faire les maquerelles, on me voit pas, mais c'est pas grave. Wesh, on me voit pas. Ceux qui ont... Oh, attendez, je vous reprends au bout d'un moment quand je pourrai parler, parce que là, c'est pas productif du tout. Bon, bah là, on a la radio station. Il y a Fuji ici présent. On est en train de faire l'émission. Que de la saleté. Voilà. Sale. Voilà. Je suis de retour at my house. Enfin bref, calculez pas le bordel derrière. Je ne suis pas sale, mais je suis bordélique. Faut le savoir. En fait, c'est que c'est pas vraiment que je suis bordélique, c'est que j'ai pas vraiment le temps de ranger. Parce que you girl, ils occupés. Enfin bref, j'étais pressée de rentrer parce que là, je vais ouvrir mes calendriers de l'avant. Donc c'est parti, on va voir ce qu'il y a dedans. Déjà, on va commencer avec celui au chocolat. On est le 2. C'est où le 2 là-dedans? Wesh. C'est où le 2 là? Ah, 2. Par contre, les ongles, c'est pas évident avec ce truc. Comme ça, c'est parce qu'en fait, j'allais le manger avant même d'avoir filmé. Tellement je suis une morphale. Bref. J'ai eu un petit chocolat avec la reine des neiges. Je crois que c'est Elsa son blaze à elle. Ou c'est elle, Elsa. Je sais plus. En tout cas, ouais, j'ai eu un chocolat. De toute façon, tout le long, c'est un chocolat. Et puis là, ils disent qu'il y en aura 12 comme ça et 12 comme ça. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de mystère. Mais bon, ça fait toujours plaisir, le chocolat de la journée. Puis on va s'attaquer. Bon. Il est temps de s'attaquer aux vraies choses. Hier, j'ai eu ça dans celui de Sephora. C'est celui-là. Un rouge à lèvres grave beau nude. Et dans celui-là de Glossy Box, je crois, j'ai eu un blush. Qui est grave pour ma carnation. Donc je suis grave contente. Maintenant, on va passer. Ah, aujourd'hui, number 2. Problème. Parce que j'ai une bave bombe. Enfin, vous savez, les trucs qu'on met dans les bains et c'est effervescent et ça fait une couleur ou une odeur de ouf. Le problème, c'est que j'ai pas de baignoire. Donc voilà, nota bene. Comme j'ai mis sur mon Insta Story, mon prochain appart, je veille à ce qu'il y ait une baignoire. Parce que j'en ai marre. Des fois, je vais chez Lush et tout, je vois grave des trucs. Je me dis, ah, vas-y, moi, j'ai pas de baignoire. Mais... Ni là. Et le big one. Oh, waouh, le 2 il est grand. Ah, le 2, la boîte elle est grande. Hein. Oh, ouais, des fois c'est grand mais c'est léger. Hein. Bon, on va voir. C'est quoi ça? Scrubbies. Ah, gommage au sucre, c'est un gommage. Un gommage pour les lèvres. À la figue. Pas mal, pas mal. Hein. Pas mal. J'ai jamais testé les gommages pour les lèvres. Jamais testé. Donc, ça va, je suis contente, je suis satisfaite. Franchement, je suis sympa, sympa. Bon, là, j'ai décidé de me faire un peu à manger en vite fait. Donc, je vais me faire deux steaks filets de saumon. Enfin, en gros, c'est des steaks au saumon. Avec du rice. Et deux avocats. Et voilà, je vais me faire ça. Puis on va aller lire. Le livre que je lis en ce moment, c'est ça. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow. Donc faut savoir que c'est de la jeunesse, mais c'est trop bien. C'est mon quatrième livre que je lis en moins d'un mois. Et franchement, je l'ai commencé hier soir en dormant chez Jala, donc je pense que je vais le lire vraiment relativement très rapidement. Mais il y a le numéro 2 qui est sorti, donc je suis trop contente. Et voilà. D'ailleurs, j'étais au salon du livre à Montreuil et j'ai acheté grave des livres. Donc je pense que dans mon prochain vlog, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté incessamment sous peu.
Mais là, je suis trop claquée. C'était pas un vlog super ouf, mais je suis vraiment trop fatiguée là. Donc, je vais manger, je vais m'installer dans mon lit, je vais lire et je vais dormir. Et demain matin, debout, 8h.